Bonjour à tous, c'est Melinda et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais customiser un t-shirt simple noir. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour faire le t-shirt. Donc j'ai pris une paire de ciseaux, le fer à strass, le flocage avec écrit mon prénom et le nom de mon club. Et des sequins de toutes les couleurs. C'est du tissu thermocollant. Donc j'ai pris du bronze, de l'argenté et du rose. Pour une pochette, j'ai payé 2,50€. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer à faire... Donc je vais faire une forme de cœur avec les sequins. Je vais choisir le sequin rose. Donc voilà, on peut soit choisir le rose ou l'argenté. Donc maintenant, je vais faire un cœur. Ensuite, je vais le découper et on va juste devoir repasser. Voilà. Je vous montre ça. Donc voilà, j'ai fait le cœur et maintenant je vais découper. Et voilà, le cœur. Maintenant, je vais tout nettoyer, on se retrouve après. Donc voilà, le cœur est terminé. Maintenant, je vais passer au flocage. Donc, je vais commencer par découper mon prénom. Donc ça, c'est le flocage qu'on utilise pour faire les t-shirts du club. J'espère que je vais réussir parce que c'est la première fois que je fais des t-shirts. Hop. Voilà, Melinda est terminée. Et maintenant, je vais juste découper le gère. Ça va aller beaucoup plus vite. Yeah. Voilà. Le gère découpé. Voilà pour le flocage. Et maintenant, on va tout repasser. Donc, on va commencer par tout placer à l'avant. Et ensuite, on fera l'arrière. Donc, je pense que je vais mettre le cœur là. Et le gère juste en dessous. Mais il faut que j'enlève la couche. Voilà. Donc on va le mettre plus ou moins là. Ni trop haut ni trop bas. Voilà. Ça, on va mettre dessus. Voilà, je vais coller le gère. Là, c'est bien. Et voilà. Donc voilà, le fer à repasser est à température. Et je vais commencer par repasser le cœur et ensuite je ferai le gère. Ça a l'air de bien fonctionner. J'espère que ça va tenir vu que je n'ai pas payé cher. Oh, ça tient. Je pense que c'est bon. On va enlever ça. C'est chaud. Les sequins, ils sont chauds. Et ouais, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai utilisé le papier du cœur. Voilà. Maintenant, je vais enlever ça. Et voilà. Ça a super bien fonctionné. Par contre, c'est super chaud. Hein. Je vais passer là-dessus. On va mettre ça là. Pour mettre. Et voilà, maintenant je vais faire l'arrière avec où je vais coller le Melinda. D'abord, je vais vous montrer l'avant. Et voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Et maintenant, on va faire l'arrière. Hop. Donc, je vais enlever, en décoller le Melinda.
perdu. Ah, voilà. Donc on va le mettre. Et maintenant on va repasser. Je vais un peu plus pousser pour que ce soit, pour que ça tienne bien. Voilà. On enlève ça. C'est super chaud. Mais... on va un peu attendre que ça refroidisse et après je vais enlever le papier collant. Voilà, je vais enlever. Et voilà, super satisfaisant. Voilà le Mindae. Voilà, l'avant et l'arrière. J'ai préparé le fer à strass et les strass et je vais en mettre un peu partout sur le t-shirt, à l'avant et à l'arrière. Donc d'abord, on va les éparpiller et les placer. Hop, on va mettre quelques-unes. Donc voilà, j'ai placé tous les strass et maintenant je vais les coller. Il m'en reste deux. Celui-là, il s'est détaché. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est pour la bonne cause. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Je suis n'importe quoi. D'abord, je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère qu'ils ont tout bien collé. J'ai l'impression. Voilà l'avant. Imagine juste une petite touche qu'il faut refaire. Là. Et une ici encore en bas qui est tombée. On va remettre. On déplace ça. On va reprendre une. Et voilà. Voilà. Là, je pense que c'est sûr que toi, tu te tiens. Voilà, le soutien il fonctionne super bien. Donc voilà, j'ai fini l'avant. Je vais pas vous montrer quand je vais faire l'arrière, mais au moins vous avez plus ou moins une idée à quoi ça va ressembler. Et je vais l'essayer. C'est bien. Hein? Donc voilà le résultat. Ça va, j'aime bien.
Et l'arrière, ben, elle est juste comme ça pour l'instant. Mais on va mettre des strass. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus, d'activer la petite cloche et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous.